4 ans et demi que nous vivons ensemble, soit 1613 jours que nous sommes inséparables. Dès nos premiers échanges, j'ai tout de suite su que c'était avec toi que je voulais passer le reste de ma vie. Tu m'as pris pour un fou. Jamais 4 ans plus tard, je n'aurais imaginé que l'on en soit là. Et pourtant, toi, tu me l'avais dit. Tu seras la mère de mes enfants, c'est toi la bonne. Et aujourd'hui, nous voilà devant notre famille, avec nos deux merveilleuses petites filles, à nous dire oui pour la vie. Tu as su me donner confiance et me prouver chaque jour que j'avais eu raison de suivre mon instinct pour vivre cette histoire d'amour qui est la nôtre. Merci d'être qui tu es, d'avoir cette fougue, cette positivité et cette détermination à toute épreuve, même quand je suis de mauvaise humeur. Mais également ce grand sens des responsabilités. Je t'ai vu devenir un homme, un père, et maintenant mon mari. Tu remplis tous ces rôles à merveille, et jamais tu ne m'as fait douter. Tu es le pilier de ma vie, le pilier de notre famille. Je t'aime, et je t'admire pour tout ce que tu es. Je me tiens ici devant toi et nos proches, car je suis plus heureux et plus épanoui que jamais. Les quatre piliers du mariage sont la confiance, l'amour, l'écoute et le soutien. Je te fais la promesse que ces piliers seront sans faille. Allez, allez, je voudrais te dire que tu es la fille la plus incroyable que je connaisse. Intelligente et pour moi la plus magnifique. Je te remercie de faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui et d'être toujours disponible pour moi. Je te remercie d'avoir mis ta vie professionnelle de côté pour t'occuper de nos filles à plein temps et d'être la mère exceptionnelle que tu es. Alors merci la vie de t'avoir mis sur mon chemin, toi qui me rends heureuse chaque jour et qui a aussi contribué à faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Je voudrais terminer en te disant que peu importe ce que la vie nous réserve, peu importe les vents et les marées, peu importe les tempêtes que nous allons traverser, nous les traverserons ensemble. Je te promets que je serai toujours à tes côtés. Je t'aime mon amour. Je te remercie d'être celle qui se bat chaque jour contre la routine afin que notre bonheur soit toujours aussi fort qu'au début. Je te promets de te faire rire chaque jour. Je te promets de faire de ta vie un rêve. Je te promets de te protéger, de t'aimer et de te chérir pour le reste de ma vie. Je voudrais terminer en te disant que j'ai une certitude, c'est que peu importe ce que nous réserve le futur, nous serons ensemble. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Je suis impatient de passer le reste de ma vie à tes côtés pour prendre soin de toi et de notre famille. Tu es l'amour de ma vie, mon âme sœur, je t'aime. Que sentez-vous à prendre pour épouse Madame Victoire Isabelle Pilar-Sigy-Garnier, ici présente? Oui. Madame Victoire Isabelle Pilar-Sigy-Garnier, que sentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jérémy Régis Raffémy, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Jérémy Régis Raffémy et Madame Victoire Isabelle Pilar-Sigy-Garnier unis en mariage. Sœur, déjà pour commencer, je crois que je te l'ai jamais dit, je t'aime. Et tu es très belle aujourd'hui. Je me souviens le soir où j'ai réalisé que tu quittais le nid, loin du papa protecteur que j'ai si aimé. Le jour où on réalise qu'on élève quelqu'un qui s'élève, j'ai tout simplement pleuré, beaucoup pleuré, car ma petite fille devenait femme. Je te regarde et je t'aime, je ne te l'ai pas suffisamment dit,
mais je me suis efforcé de te transmettre les valeurs de la famille. Je réalise aujourd'hui ce que tu es. Je sais que votre vie sera heureuse et que vous me trouverez toujours à vos côtés pour vous aider et vous soutenir. Jérémy, écoute, là, aujourd'hui, je parle en tant que père, mais on a une telle complicité, on partage tellement de choses que j'aurais pu parler en tant que pote ou en tant que frère. Fils, je suis très fier de ton père, nous sommes très fiers de tes parents. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Merci. On sera toujours là pour vous. Merci. On va toujours compter sur nous. On vous aime. Et vive le mariage. Je vais vous lire un petit verset de la Bible. L'amour. Non, je ne peux pas. Et je reviendrai aussi sur le fait que nous sommes une famille unie. Et que je peux dire aujourd'hui que j'ai la chance de t'avoir dans ma vie. Car au-delà d'être ma belle-sœur, tu es ma sœur en route. Mon Jérémy, aujourd'hui je peux dire que tu es la rencontre de ma vie. Tes valeurs d'homme sont assez exceptionnelles. Je peux dire aussi qu'elles me ressemblent et forcément nous unissent et nous rassurent. Il n'y a pas assez de mots pour caractériser ces belles valeurs que tu représentes par ton engagement et par l'amour que tu portes déjà à Victoire et aux merveilles d'Emmy et à Varon. Il y a quelque chose de solide et de fort en cette période exceptionnelle. Je te confie ce que j'ai de plus précieux. Prends-en grand soin. Jérémy, je t'aime. Je suis tellement fière de toi, de cette femme que tu es devenue. Oui. Une femme à la fois forte et déterminée dans tes choix de vie, dans ta manière d'éduquer tes filles, dans ta réalisation professionnelle. Tout cela fait de toi cette jeune femme dont je suis si fière. Puis je me souviens du soir où tu nous as raconté que tu avais rencontré une fille exceptionnelle, Victoire, et que tu t'appelais déjà à l'époque l'amour de ta vie. Vous en avez fait du chemin depuis votre rencontre et malgré les obstacles, vous êtes plus proche que jamais. Jérémy, merci pour ta bonne humeur et ton optimisme permanent. Victoire, nous n'avons pas la chance de nous voir souvent, mais tu sais que je serai toujours là pour toi. Je tiens à dire que je serai toujours une épaule sur laquelle tu pourras te reposer. Si tu as un petit coup de mou ou de fatigue avec tes deux petites piles électriques. Et aujourd'hui, je suis très ému, très fier d'être ton témoin, de partager ton bonheur. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous. Ce que tu nous as montré de toi ces dernières années me ravit. Tu es un garçon aussi généreux que protecteur avec ma fille. Un jeune papa aimant, et je sais, je le sens, que tu seras un mari fantastique. Le mariage, c'est également une des plus belles expressions de sa propre liberté, au sens le plus noble du terme. Parce qu'en fait, c'est le résultat d'un choix individuel que vous faites aujourd'hui, que personne ne vous a forcé à faire, celui de vous unir avec une personne qui a fait le même choix que vous. Donc se marier, c'est être libre. C'est pour toutes ces raisons que le mariage est une aventure, car elle dépendra de ce que vous en ferez, de l'investissement que vous lui consacrerez. Mais si vous relevez le gant, que vous y mettez toutes vos forces, alors il deviendra la plus fantastique aventure humaine dont vous puissiez rêver, l'une des plus grandes sources d'émotion, de bonheur, de satisfaction et de fierté. Il faut s'y préparer avec envie et détermination, car comme le disait Pierre Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Talking.